Heinemann veut s'amener. Heinemann, la passe transversale. Anderson qui n'a pu prendre de tir. On renvoie derrière pour Heinemann et ensuite pour Maillet. Derrière le but. Maillet tente de ramener devant. Ça a été bloqué par Parent. C'est maintenu par Reinbacher. Derrière le filet pour Maillet. Et ensuite Heinemann vers la ligne bleue. Paquet de Bisson vers Reinbacher. À Anderson. Menace du Rocket qui se poursuit. Le tir d'Anderson du revers a raté la cible. Paquet de Bisson. Paquet de Bisson ne peut conserver non plus. Reinbacher relance l'attaque. C'est pour Anderson. Akinney, bon tir, l'arrêt de Schmid. McKay va ensuite se joindre à l'attaque. Cahier par l'arrière du filet, renvoie vers Barron. Le voilà près du but, sa passe a été bloquée. Barron récupère vers l'enclave, Galipo qui peut tirer. Autour de Durando de s'en mêler. Durando bien surveillé. On est extrêmement coriace sur le porteur du disque. Contre-attaque de Laberge, il renvoie au gardien Daubèche qui sort de son but. Tentative de dégagement maintenue par Laberge. Derrière le filet, c'est Légaré qui reprend. Passe devant pour Ingaris, ça a été bloqué. Et Barron va reprendre. Un lob au centre pour McKay qui s'était fait Underspoon qui n'a pu reprendre. Contre-attaque de Perrault. Il va envoyer à Mailloux qui a pu l'attaque. Mailloux vers l'enclave, il ne peut tirer. Et les Comets dégagent. La contre-attaque Chris Carlow. Et ensuite pour Stillman, un contre un devant Reinbacher. Repli de Farrell va laisser pour Condotan qui est bousculé devant le banc des pénalités. Condotan de rencontre. Revirement de Chris Carlow, il a donné à Farrell. Du haut des cercles, il s'amène. Tire de Barron qui rate à la droite de Schmid. Anderson va s'amener. Et ce sera Mailloux pour reprendre près de son but. Mailloux devant Parent. Passe au centre. Que ne parvient pas à accepter. Contre-attaque immédiate. Schmeldur a fait une chute sur la pression de Reinbacher. Rien ligne bleue. Récupéré par Colin Felix. Felix à sa gauche à McKinnon. Le tir, c'est bloqué devant. Au retour, belle arrêt d'auberge de Jean-Pierre gauche. Remise ligne bleue pour Felix. Tire de loin, dévié par-dessus d'Aubèche. La rondelle qui est ensuite frappée au vol, maintenue par Felix Lingleux. Mais, oh, attention, on est venu. Oh, Légaré est venu débousculer d'Aubèche. Il doit répondre à ses actes de la part de Mailloux. Wow! Il y aura pénalité. Légaré va être chassé. D'Aubèche est parti au banc. Maillet renvoie profondément pour Heinemann. C'est ensuite Mick. C'est réussi pour Waterspoon. Waterspoon profondément. La passe devant de Schmelzer. Bel arrêt d'Aubèche. Qui l'a fait passer aux Comets à l'approche de la date limite des transactions. Dégagement du Rocket maintenu par Dowling et Gambardella se réinstalle pour Dowling à Gambardella près du filet transversal. Le but s'approche Gignac pour reprendre. Utilise la rampe pour envoyer à Mailloux à la ligne bleue. De Mailloux à Gignac, 5 contre 5. Gignac le tire dévié. Oh, c'était Farrell près du filet. C'est venu près de réussir. Sean Farrell profondément. Ligne bleue pour Trudeau qui ramène à droite pour Mailloux. Mailloux près du filet, c'est pour Gignac, transversant ligne bleue à Trudeau qui dirige un tir, c'est bloqué. Et Ingaris, il bouge bien, le tir de loin qui est bloqué devant. Il va reprendre dans le coin, Durando ramène ligne bleue à Reinbacher, près du filet. McKay n'a pu tirer sur réception. McKay, bien surveillé par Felix, renvoie profondément à Kinney. Ligne bleue pour Reinbacher, parvient à conserver le tir de loin, bloqué devant le filet. Excellente présence de Reinbacher en défensive, il a donné des options à l'attaque pour ses coéquipiers. Durando veut reprendre au centre et de pair. La contre-attaque de Schmelzer vient défier Reinbacher. Schmelzer, Reinbacher joue bien devant lui. Par la suite, Paquet de Bisson lui sert toute une mise en échec. Schmelzer ne l'a jamais vu venir. Il était bloqué. On lui avait barré la route. C'était Reinbacher. Tiré sur réception. Ça revient ligne bleue pour Barron. Remise soulevée pour Farrell. Transversal pour Heinemann au cercle. Le tir s'est raté par-dessus Schmid. Voilà Farrell. Ligne bleue pour Barron. Zoo des cercles à Kinney. Tir de Heinemann en partie. Waterspoon. Légaré à Waterspoon. Il s'amène près du filet vers Légaré. Mais c'est balayé à droite. Du côté droit. Passe de Mailloux en sortie de territoire. Ça a été bloqué. Parent parvient à conserver. Son tir, l'arrêt d'Aubèche. Retour devant le filet qui appartient à Jacob Perrault. Perrault du côté gauche en entrée de territoire. Gabriel Bouc vers Perrault et le but! Jacob Perrault, son premier! Dans l'uniforme du Rocket Book, Jacob Perrault, son premier à Laval. Et le Rocket frappe dès le départ. Gabriel Book vers Perrault. Galipo, Darling tente de revenir devant. Ça a été dévié. Gignac derrière le filet vers Galipo. Schmelzer s'interpose. Darling ensuite vers l'enclave. Voilà un tentative de tir bloqué. Ça revient du côté gauche. C'est là au centre. Il va l'emporter. À la ligne bleue, Barron le tire violent dès la reprise. Barron qui reprend en défensive, la passe au centre. Accepté par Bourque en territoire adverse, c'est fait pour Stevens. La remise de Perrault qui se retourne vers l'enclave, personne n'y était. C'est dommage si Perrault avait été gaucher là-dessus, il avait un tir de qualité certainement. Voilà un tir, l'arrêt d'Aubèche, pas de retour. Renvoie vers Villain et on va ensuite reprendre profondément territoire du Rocket. La passe devant le filet, l'arrêt d'Aubèche. Lui, c'est pour Anderson.
À la ligne bleue pour Maillot, point d'appui. On se réinstalle de belle façon. Maillet à Maillot, la frappe, bel arrêt de Schmid. Brenneman. La passe pour Farrell. Voilà qui entre en zone ennemie. C'est fait pour Kidney. Ça avance au filet, bien tenté pour Farrell, mais un peu imprécise cette passe. Durando parvient à garder en territoire offensif. Derrière lui pour Barron. Conserve du revers pour Farrell au cercle. La remise à Durando dans l'enclave. Il a trouvé Hindemann qui était démarqué. Ça en territoire Lavallois. Reinbacher est là le premier. Derrière le but pour Paquette-Bisson. Rebrouche chemin sur la pression de Chris Carlo et relance à Reinbacher. Le voilà au centre de la glace. L'Autrichien qui est déplié. À sa droite à Reinbacher. L'on passe au centre. Bien réussi à Perrault qui va entrer en territoire ennemi. Il y a une ouverture pour lui. La passe pour Mekki, c'est un peu loin. Mekki dans le coin, en pression sur Misioul. Misioul, défenseur, qui tente de dégager, mais l'intervention de Trudeau qui vient appuyer l'attaque. Derrière lui pour Perrault. Du revers, il reste à Maillot qui reprend derrière son but. Maillot campé derrière le filet, va ressortir et relancer l'attaque avec son bon coup de patin. Maillot à gauche pour Hindemann en territoire offensif. Hindemann, un tir neutralisé devant, il est ensuite frappé solidement dans le coin. Schmelzer derrière son but. Débord de Hindemann, tente de sortir la rondelle, ça fonctionne pour Clark. Clark, du côté gauche, le repli de Anderson sur Dowling. Et ensuite, c'est Trudeau là, qui, grâce à sa bonne présence physique, va aider Philippe Maillet à prendre au centre. Maillet va dégager avancé. Contre-attaque les Comets qui vont s'amener en territoire Lavallois. Derrière le but, le tir, l'arrêt de Daubèche, retour dans l'enclave. Accepté par Durando qui va... Et en défense, Paquette-Bisson va saisir. 1-0 Laval. Deuxième moitié de deuxième. Reinbacher. Long passe à Durando, fait des biens en territoire ennemi. Tentative de dégagement maintenu par Paquette-Bisson. Durando vers Reinbacher. La passe est dans les patins, parvient à conserver. En zone ennemie pour Mekki. Mekki pivote sur lui-même, cherche une option. Mekki passe vers l'enclave. C'était bien tenté pour Paquette-Bisson, mais il était bien surveillé. C'est repris par Stevens à Reinbacher. Le tir est bloqué. Beau jeu de la berge. Il parvient à dégager au centre. Reinbacher, malheureusement, donne le disque à Légaré, mais bon repli de Paquette-Bisson qui vient le frapper. Légaré poursuit sa route cependant. Légaré passe devant, visait un coéquipier de l'enclave. Et ensuite, McKinnon qui tire. Très bel arrêt. Devant Chris Carlo. À la ligne bleue, voilà Topias Vilin. Qui laisse du côté droit Parent son tir dans le trafic au cœur. Contre-attaque de Parent qui s'amène en territoire du Rocket. Le tir en partie dévié par Galipo. L'arrêt de Daubèche alors que Galipo est sévèrement frappé. Anderson qui réagit en venant bousculer Parent. Contre-attaque. Les Comets s'amènent. Voilà Darling. Passe devant. Voilà Lip. L'arrêt de Daubèche de Jean-Biago. Transversal vers Schmelzer. À Chris Carlo. Ligne bleue à Vilaine. À sa gauche à Darling. Ligne bleue, Vilain le tire. Ça a été dévié devant la rondelle qui est libre. Et on aura peut-être un surnom. 3 contre 1. Gignac, Stevens et Reinbacher. À Reinbacher, le tir s'est raté de peu à la gauche du filet. Quelle chance pour le jeune Autrichien. En est numérique des Comets alors que Maillot embête Stillman. C'est bien fait. On lui remet le disque. Il va tenter de s'échapper. Logan Maillot s'avance. Ralentit la cadence. Attend de l'aide. La passe à l'enclave. Le tir de Bourque. Ou plutôt d'Anne. Surveillé par Farrell qui reste sur lui. La berge veut le déborder. Le voilà dans le coin. L'étau se resserre alors que Galipo est partout autour de lui, tout comme Farrell. Derrière le filet, voilà Perrault qui intervient. Perrault pourchassé, poussé au sol par Angaris alors que Barron s'en empare. La passe en partie déviée que Farrell parvient à récupérer redonne encore à Barron. Justin Barron s'avance au centre. Oh, il évite de près la mise en échec de Bab de la berge et la contre-attaque. Légaré est seul, le tir. Belle arrêt de Daubèche. Il n'y aura pas de retour. Ah, Légaré ne pouvait pas souhaiter meilleure occasion. Il a tenté de passer ça entre les jambières, mais Daubèche en veut. Légaré laisse à Vilain. Récession de passe difficile. Durando qui reprend dans l'enclave. Kidney. Belle arrêt de Schmid. Un bon jeu de Durando et un tir précis et puissant de la part de Kidney. Schmid se dresse sur ce tir-là. Paquette-Bisson offre une option dans l'enclave pour Mekki qui ira chercher la rondelle dans le coin. Mekki vers la ligne bleue, c'est bloqué. Reinbacher va se replier. Reinbacher va laisser vers Paquette-Bisson, contre-attaque pour Mekki. Débord de Vilaine contourne la cage de Schmid. Kidney qui est là également, perd la rondelle, mais ça revient à Reinbacher, ligne bleue, remise à Kidney, passe devant le filet, ça a dévié, Schmid avait perdu la rondelle de vue, et Durando, ligne bleue pour Maillot. Maillot au point d'appui. La passe pour Anderson au cercle gauche, un tir, passe devant, bel arrêt de Schmid. Ça avance au centre, mauvaise passe du revers, c'était pour Hindemann, Darling est venu couper, Gambardella reprend. Territoire du Rocket, Kidney revient sur lui, Gambardella se libère de la couverture, dans l'enclave, bel arrêt de Daubèche au retour.
Et attaque rapide. Parent s'avance, doit faire vite. Parent devant! Et Schmelzer qui ne peut tirer. C'est récupéré par Clark. Un contre un devant Paquette Bisson. Entrée de territoire. Derrière le tir, l'arrêt de Schmelzer. Surtout quand on lui envoie ça directement en pleine poitrine. Il sera en mesure de faire l'arrêt. Ce qu'il vient de faire sur la séquence, un 24 bleu. Félix parvient à garder. Le tir, c'est bloqué devant. Et Maillet va s'emparer de la rondelle près de son but. Le long de la rampe vers Heinemann. Il est accroché par Vanderleet. Il n'y a pas de pénalité. Les Comets s'en tirent bien. Chris Carlo vers Félix. Et à Vanderleet, un tir dévié devant Domèche. Alors, pas de frontière pour venir encourager le Rocket. Revirement près de Domèche. Un tir bloqué devant par Trudeau. Un beau jeu. Voilà, Missioul, ou plutôt Vilaine, qui appuie l'attaque devant tir le but! Un but crucial pour les Comets. Et c'est 1-1. Mais marqué tôt dans cette troisième. Ça va forcer le Rocket au pic et à l'appel d'aller chercher ce match en troisième période ici. Perrault qui a le seul but des siens dans le match en zone ennemie. Vanderleet le bouscule, mais Perrault conserve. Il s'amène le tir, l'arrêt de Schmid qui parvient à maîtriser le... Et Stevens n'en pas. Bouc dans l'enclave, le tir a raté de près. Au retour, quelle chance ensuite pour Perrault, Guerrero qui a raté. Bonne occasion de la part de Bouc. Après cette mise au jeu gagnée par Stevens, Perrault du revers envoie profondément en territoire des Comets. Bouc vient bousculer Waterspoon. Ça ressort à Schmelzer, la passe qui dévie sur Paquette Bisson. Mission ensuite ramène en territoire du Rocket. Le tir, l'arrêt d'Aubèche de retour, cherche un peu la rondelle du regard, mais quand même... C'est amené près du filet en tentant de déborder Reinbacher. C'est Missioul quand même qui a pris un tir par les Comets. Ligne bleue, McKinnon. Un tir dans le trafic dévié devant le but. C'est repris par Chris Carlo derrière Domèche. Chris Carlo pourchassé par Reinbacher. Confusion là. Chris Carlo conserve vers Vinan. Un tir dans le trafic bloqué devant. Gambardella est aux prises avec Gignac. Derrière le but autour de Chris Carlo. Surveillé par Reinbacher. Chris Carlo. En Reinbacher dans les culottes. Et bon, on va chasser Reinbacher pour un petit double échec. Aïe, aïe, aïe. Sur l'arbitre. Wow. Et puni pour un faible double échec. Culotte de Carl Chris Carlo. Pour moi, il n'y a pas de pénalité là-dessus. Ah, il y a à peine touché, sincèrement. La ligne bleue. Voilà Dowling vers l'enclave. Tire de Chris Carlo. C'est bloqué devant. Schmelzer, ligne bleue, vers Dowling, feinte, devant Gignac, il s'amène, près du filet, on le lève! Beau jeu de la part de Trudeau qui soulève le bâton de Gambardella. Schmelzer, près du filet, Chris Carlo, tente de surprendre le gardien, c'est bloqué. Gambardella maintenant, au cercle, transversal, ça a touché le bâton Stevens. Ligne bleue, Vilaine maintenant, la passe qui touche la portée de Paquette Bisson et Reinbacher va se replier derrière son filet. Il exerce la pression sur lui, de sa Paquette Bisson. Paquette Bisson en sortie, passe précise pour Bouc. Il envoie... De retour à Utica, il n'y avait pas de pause publicitaire. Je me suis mépris, parti trop vite. Alors, comme on ne veut pas manquer le... Vous n'avez rien manqué. Paquette Bisson qui récupère. Remise vers Bouc, c'est trop loin. Schmelzer, défié par Reinbacher. Vanderleet réussit à dégager en territoire du Rocket. Rondelle qui fait un bon capricieux. Attention, Dowling vient surprendre Anderson, mais beau repli de la part de Maillet qui venait assurer ses arrières. Ce sont des jeux là, qu'on ne voyait pas en début de saison. Cette responsabilité défensive des joueurs à caractère offensif comme Anderson et Maillet. Maillet a été excellent sur ce jeu-là. Ça revient à Reinbacher en défense. Va laisser à gauche pour Paquette Bisson. Un lob au centre que Colin Felix parvient à intercepter vers Clark qui perd rapidement. La relance de Reinbacher. Bien joué pour Heinemann. En zone ennemie, dans l'enclave, Heinemann veut rejoindre Anderson qui peut tirer. Contourne Schmid. A voulu le surprendre, mais le gardien était prêt. Les Comets qui se réorganisent en défensive. Ah, rondelle capricieuse, sautillante, qui va lui échapper. Domèche sort loin de son filet. Beau jeu du gardien. Va envoyer au centre pour descendre la glace pour Waterspoon. Il envoie territoire du Rocket derrière Domèche. Reinbacher, aux prises avec Parent qui gagne cette lutte. Ligne bleue, Missioul, un tir dévié. Dans le coin, Paquette Bisson, aux prises avec Chris Carlo. Rondelle qui est prise le long de la rampe. Ligne bleue, Missioul vient puis l'attaque. On lui barre la route. Belle intervention de la part de Condotta qui permet à Paquette Bisson de sortir. Paquette Bisson au centre. Entre en territoire adverse. La passe est dans les patins de Reinbacher. Vilaine, derrière son but maintenant. Fait une chute. Rodet qui revient du haut de l'enclave. Perrault s'est amené, mais un pas en retard. Contre-attaque de Parent vient défier Reinbacher. Reinbacher revient sur lui et sans problème va reprendre possession.
Le linebacker à Paquette Bisson depuis l'arrière du filet. Le dégagement du vétéran du Rocket est complet au territoire des Comets. L'on passe pour Darling, complètement raté. On retarde l'entrée des Comets alors que Clark va envoyer derrière Domech. La sortie du grand gardien tchèque. Le nom de la rampe vers Heinemann. Revirement, le tir et le but! Dans cette course aux séries pour les Comets. Aïe, 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 qu'est-ce que Heinemann s'est fait? Au centre, s'amène Perrault, rate sa passe vers Anderson, revirement. Schmelzer est seul, Schmelzer la feinte et Domech ferme la porte de la jambière. Schmelzer aurait pu fermer ce match s'il était parvenu à marquer aux dépens de Domech là-dessus. Quand les Comets l'emportent, Misiul, ligne bleue, descend dans le coin pour Gambardella, contourne la cage de Domech. Gambardella suivi de près par Maillet. Gambardella, la ligne bleue, garde en territoire ennemi. La passe profondément pour Misiul, frappe la rondelle au vol pour Parent. Derrière le filet, l'attaquant Lavallois qui est aux prises avec Galipo. Tente de s'amener devant, mais Galipo intervient et va réussir à relancer pour Maillet. Maillet voulant venir pour Anderson, il s'était libéré derrière la défense, mais ça a été coupé. 2 minutes à faire au match et 2-1 Utica. Maillot ira reprendre derrière son but. Maillou depuis l'arrière de son but. Remise du côté droit, jeu de mollesse, revirement, le tir de Schmelzer. Et Maillou est derrière lui. Maillou va laisser pour Gignac. Gignac, la contre-attaque. Va entrer en territoire adverse. Gignac envoie par l'arrière du but. Rondelle qui bondit dans tous les sens. Légaré reprend et un tir de loin qui sera complètement raté. On accepte ce dégagement. Donc on juge qu'un joueur du Rocket a touché. Maillou en défense, il ne reste qu'une minute. Barron envoie vers Maillet. Maillet, la passe pour Stevens qui par l'arrière du but renvoie profondément. Et ça va tourner en faveur de Dowling vers Schmelzer. Du centre de la glace, un tir faible du revers et c'est trentaine de secondes. Maillou, centre de la glace, la passe dévie sur Barron. Et il n'y a rien qui fonctionne. Revirement, Gambardella vers Ingaris qui enfile.